Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi, au nom de l'Université Paris-Saclay, de vous accueillir pour cette cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa de l'Université Paris-Saclay à Annuillier. Je suis Rémi Carminati, directeur de l'Institut optique. Donc, quand j'ai pris mes fonctions de directeur, je savais que je devrais mettre en œuvre un panel de compétences très large. Ce soir, je suis ravi de mettre en œuvre une nouvelle compétence de maître de cérémonie avec vous pour ce qui va être une belle soirée. Donc je crois que tout le monde s'accordera à dire que remettre ce prix à annuiller était, était une bonne idée, et surtout une année où d'autres que nous euh, ont choisi de l'honorer. Je voudrais féliciter l'université pour cela. Je crois que tout le monde est très honoré que annuiller ait accepté euh, de devenir la première, docteur honoris causa de l'université Paris-Saclay. Je voudrais aussi féliciter euh, l'université de, de réussir à, à réunir Alain Aspect et Annuiller ensemble dans un bâtiment qui s'appelle H-Bar. Donc, les physiciens comprendront et les autres pourront se faire expliquer le, le pourquoi. Et donc, je suis ravi de déclarer ouverte cette cérémonie et j'invite pour l'ouvrir, et je vous invite à l'accueillir avec moi en applaudissant, Estelle Iacona, présidente de l'Université Paris-Saclay. Merci beaucoup Rémi, cher maître de cérémonie, merci d'avoir accepté de ce rôle. Alors monsieur le sénateur, cher David. Il est là. Monsieur le président du conseil départemental de l'Essonne, cher François. Je ne l'ai pas vu mais je suis sûr qu'il est là. Monsieur le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, cher Olivier. Chères présidentes et présidents, directeurs et directrices, et représentants, rep représentantes et représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'université Paris-Saclay, Monsieur le Recteur de l'université de Lund, cher Eric, cher parrain, Alain Aspect, cher Alain, chers récipiendaires, chère Anne Lullier, chers membres de la communauté académique de l'université Paris-Saclay, chers collègues, chères étudiantes et étudiants. Vous êtes nombreux et nombreux à être dans cet amphithéâtre et c'est un grand plaisir de, de vous voir ce soir. Donc, c'est un immense plaisir et un très grand honneur pour moi de vous accueillir à l'Université Paris-Saclay ce soir pour une cérémonie importante, une cérémonie très importante. Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction, le plus haut diplôme qu'une université peut remettre. C'est un événement rare, solennel et aussi symbolique. Donc cette cérémonie est d'autant plus symbolique aujourd'hui que l'Université Paris-Saclay remet son premier diplôme de doctorat Noris-Cosa depuis qu'elle a été créée en 2020. C'est donc un moment fort pour toute la communauté universitaire, réunie pour célébrer un parcours exceptionnel qui nous inspire. Et donc pour cette première cérémonie, nous avons choisi d'honorer un seul parcours exceptionnel et nous avons choisi d'honorer une unique récipiendaire. Ce choix n'est pas anodin pour l'Université Paris-Saclay qui porte, qui défend l'inclusion depuis toujours et en particulier la place des femmes dans la science, j'y reviendrai. Cher Alain Aspect, je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté d'être parrain de cette cérémonie. Votre présence nous honore. Ta présence, cher Alain, nous honore ce soir. Donc cette cérémonie, nous avons aussi choisi de la mener dans ce lieu qui n'est pas anodin non plus. Le H-Bar, donc un lieu d'enseignement. D'enseignement de la physique en particulier, donc la physique qui tient une place toute particulière à l'Université Paris-Saclay, dans la réalité de ses activités aujourd'hui, dans son historique, et qui est reconnue au plus haut niveau de sa recherche, de sa, sa qualité de, de formation du premier cycle au doctorat. Je tiens d'ailleurs à saluer la communauté de physique dont une partie est présente ici, qui s'investit sans compter, depuis des années, depuis des décennies, dans toutes les activités de l'Université au quotidien. Et donc je suis très heureuse de, de vous voir euh, représenter ce soir. Et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier de vous être mobilisés, d'avoir mobilisé aussi les, les étudiants pour venir à cette cérémonie. Et je profite aussi, puisque j'en suis au remerciement, euh, de remercier très très chaleureusement l'équipe de la direction de la marque et de la communication de l'université qui a travaillé d'arrache-pied depuis euh, un certain nombre de semaines pour que cette euh, cérémonie ait lieu et qu'elle soit euh, symbolique et, euh, et de très haut niveau. Donc nous sommes réunis pour remettre le diplôme de doctorat honoris causa de l'Université Paris-Saclay à Anne Lullier, donc physicienne franco-suédoise, professeure à l'Université de Lund. Chère Anne, c'est une immense fierté pour moi, pour toute la communauté de l'université, de vous voir en ce lieu, au cœur de la physique, pour ce premier diplôme, pour cette première cérémonie. Je laisserai le soin à votre parent, à votre parrain, euh, cher Alain, euh, de décrire un peu plus en détail votre carrière scientifique, votre parcours, permettez-moi juste de dire quelques mots. Après une formation à l'École nationale supérieure de Fontenay-Rose, vous effectuez vos recherches d'abord au CEA, au CEA Saclay, tout proche d'ici, au sein d'un laboratoire qui s'appelle aujourd'hui Laboratoire Interaction Dynamique et Laser, euh, qui est donc un laboratoire CEA et CNRS, puis ensuite à Lund, en Suède, dans une université que nous connaissons bien. L'université de Lund, qui est euh, une des universités fondatrices de l'alliance européenne UGLO, les liens entre nos établissements sont forts, ils sont solides, et ils s'appuient sur des valeurs communes, celles de euh, l'Union européenne. Merci beaucoup, Eric. Thank you, Eric, for being here with us. And I remember the first time that we met, maybe a year ago, for a meeting for the UGLO uh, alliance. I, I'm quite sure that the first thing that we spoke about was how to Uh, Increase collaborations in physics between our two universities and we spoke about Anne. So thank you for being here today. Donc Anne, vous êtes l'une des pionnières d'une toute nouvelle discipline, la physique ato seconde, qui ouvre des possibilités multiples pour l'étude des matériaux. Pour vos travaux, vous êtes récompensée par de nombreuses distinctions. Vous avez reçu le prix Wolf, vous avez été élue à l'Académie des sciences, vous êtes membre de l'Académie des sciences de Suède depuis 2004 et vous venez de, depuis il y a quelques semaines, d'être distingué aux côtés de vos collègues Pierre Agostini et Ferenc Cohns par le prix Nobel de physique 2023. Je vous adresse ici en public mes plus chaleureuses félicitations pour cette magnifique reconnaissance. Et nous sommes aussi fiers qu'une partie de vos recherches ait été effectuée dans une institution saclésienne il y, a, il y a quelques années. Et nous sommes aussi heureux de vous voir régulièrement au conseil d'administration de l'Institut d'optique euh, dont vous faites part, donc dont vous êtes membre depuis plusieurs années. Je ne peux évoquer l'excellence de votre parcours scientifique sans rappeler aussi votre engagement sans faille auprès des étudiants pour la formation. D'ailleurs, quelques journaux l'ont relaté. Après l'annonce, après le coup de fil que vous avez eu, on vous voit dans les journaux télévisés ou sur les, dans les photos des, de presse en train de recevoir le coup de fil. Et tout de suite après, vous avez poursuivi votre cours à l'Université de Lund. Donc, cette anecdote, au-delà d'une anecdote, est un symbole. Euh, qui marque votre dévouement sans faille pour les étudiantes et les étudiants pendant toute votre carrière. Et d'ailleurs, vous nous avez dit que vous étiez euh, ravis que nous ayons ici euh, des étudiants et des étudiantes dans, cette, dans cet amphithéâtre. Alors, puisqu'on parle des, de formation et d'étudiants, euh, je voudrais citer une philosophe, une Swedish philosopher, Hélène Kay. Elle uh, so saying, Education is the key of a better future for all ⁇ cela peut paraître une évidence ici, cette phrase est, est, est évidente dans, dans cet amphi. Elle ne l'est peut-être pas à l'échelle du monde, peut-être même pas à l'échelle de, de notre pays, puisqu'on sait que euh, nous, sommes dans un, nous vivons un, un, dans un contexte de défiance à l'égard de la science et à l'égard de, de, de l'éducation. Nous vivons des attaques contre l'éducation dans le monde et en France. Et donc, un tel engagement n'est plus que jamais nécessaire. Et rappeler cette, convi cette conviction, même la marteler, est aussi absolument nécessaire. Donc, car l'éducation et la science, nous l'oublions jamais, sont en fondement de la démocratie. Donc, comme nous parlons d'éducation, je citerai également Condorcet, qui disait :« Plus un peuple est éclairé, plus ses suffrages sont difficiles à surprendre. Même sous une constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. Comment apprendre à raisonner de façon critique si ce n'est en pratiquant d'abord le, le, le raisonnement scientifique ?» Savoir mener un raisonnement rigoureux avec des hypothèses vérifiées par l'expérience et remis en cause de manière raisonnable et raisonnée, voilà un des apports de, de l'université, de nos établissements, de nos activités au quotidien, voilà un des apports aux citoyens. La transmission des savoirs comme connaissance brute, mais aussi la construction des esprits critiques pour les générations futures. Le deuxième pilier de la démocratie, la science, donc la production de savoirs, nous ne, nous ne pourrons répondre aux grands défis contemporains qu'en produisant des connaissances et en les diffusant sur la place publique, en mettant la science euh, au, euh, au bénéfice, finalement, à disposition de la société. La science, par la recherche et l'établissement de preuves, c'est ce qui empêche une société de sombrer dans l'obscurantisme. Autre conviction qui mérite d'être appelée et martelée aussi autant qu'on peut c'est notre rôle en tant qu'institution en tant qu'université en tant que chercheur enseignant chercheur enseignant personnel de l'université de contribuer à ce progrès sociétal non seulement en produisant des connaissances et en les mettant à disposition des, des citoyens et euh, permettant d'orienter les décisions publiques et finalement des fils rouges de cet aspect d'éducation et de science euh, pour moi c'est le rôle de la liberté de chercher la liberté d'enseigner de la liberté d'apprendre qui sont finalement les trois facettes d'un même principe, la liberté académique. Notre mission, c'est une mission d'universalité. L'université n'est ni éthérée ni monolithique, c'est un lieu de transmission des savoirs, un lieu de liberté et d'innovation, d'innovation pédagogique, d'innovation technologique, sociétale, de transformation. D'ailleurs, l'université elle-même se transforme. Pour tous ceux qui viennent de l'Université Paris-Saclay, vous êtes tous bien placés pour le savoir, nous nous... Nous rapprochons nos, nos cultures d'établissement depuis plusieurs années et ça aussi, c'est au cœur de la transformation de nos établissements. Et donc, c'est une grande fierté que de remettre le titre de docteur honoris causa à une personnalité qui porte haut ses valeurs, qui porte haut la place de la science dans la société, la place, la place de l'éducation dans la société. Donc, je vous remercie, chère Anne, de nous faire l'honneur d'accepter cette distinction. Et je terminerai par un dernier point qui, j'en suis sûre, vous tient à cœur aussi. C'est nos valeurs... Euh, D'universalité et d'égalité. N'oublions jamais que nous devons aussi appliquer ces principes à nous-mêmes, communauté scientifique. Donc vous êtes Anne parmi les 21 scientifiques à avoir obtenu une, une reconnaissance Nobel en physique, chimie, médecine ou économie depuis 2001, euh, depuis 1901, ce qui représente, ça ne serait pas beaucoup. Ce qui représente quelques pourcents de femmes à avoir eu cette distinction. Donc, vous êtes la cinquième femme à recevoir le prix Nobel de physique, la deuxième française. Donc le monde académique évolue, la place des femmes scientifiques dans la science se, 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 se fait de plus en plus forte. Les mentalités changent, et les mentalités changent en particulier parce que les universités, les établissements d'enseignement supérieur, depuis un certain nombre d'années, mettent en œuvre des actions concrètes. Au sein de leurs propres établissements, mais aussi en lien avec les collèges, avec les lycées, avec euh, euh, les différentes institutions, pour promouvoir la place de la science, pour, euh, pour promouvoir la place des femmes dans la science. Et donc, l'enseignement supérieur doit, doit continuer à, à se transformer et à susciter l'intérêt des jeunes filles pour la science, pour la science, euh, si je puis appeler euh, voilà, la science dure, la physique, la chimie, les mathématiques, l'informatique, puisqu'on est, je suis je sûr, suis tous d'accord ici. Pour dire que priver la science de talent et de perspectives nouvelles ne sera jamais bénéfique pour l'avancée des connaissances. Donc, votre prix contribue à valoriser aussi les parcours de femmes dans la science, les parcours de femmes dans la physique. C'est une façon de briser certains stéréotypes, d'encourager les femmes, les jeunes femmes, à se projeter, à s'imaginer elles-mêmes dans des carrières scientifiques. Donc, si Marie Curie a été pour un certain nombre d'entre nous une boussole, vous êtes aujourd'hui. Vous êtes devenu un formidable exemple pour toutes les jeunes filles, je suis sûre, qui sont dans cet amphi, et pour toutes les jeunes filles qui vont regarder la physique peut-être d'une autre manière. Donc, vous nous faites le grand honneur de rejoindre symboliquement l'Université Paris-Saclay. Je suis convaincue que vous y inspirerez des générations futures d'étudiantes, d'étudiants, mais aussi de chercheuses et de chercheurs. Et donc, encore une fois, c'est un immense plaisir de vous recevoir dans cet amphithéâtre et au sein de cette communauté ici à l'Université Paris-Saclay. Je vous remercie. Merci madame la présidente. Donc Alain Aspect a accepté de parrainer cette cérémonie. Et vous savez qu'Alain Aspect prix Nobel de physique 2022 est une des fiertés de l'Institut Optique et de l'Université Paris-Saclay. Donc je le remercie d'honorer cette cérémonie de sa présence ce soir. Donc selon la tradition universitaire, il, il va maintenant faire l'éloge de la récipiendaire. Donc je vous remercie d'accueillir avec moi Alain Aspect. Bonjour à tous. Alors pour ce qui est des formalités du début, j'ai piqué la feuille de la présidente. Donc je vais faire... Donc monsieur le sénateur, mais cher David, hein, plutôt, d'accord. Monsieur le président du conseil départemental de l'Essonne, il y a un représentant Non. Bon. Monsieur le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, il est là. Cher président, directeur d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, monsieur le recteur de l'université de Lund, et surtout, chers étudiants, je suis absolument ravi de voir tous ces étudiants, excellente initiative de l'université, merci d'y avoir pensé. Et là, je prends mes feuilles maintenant. Cher Anne, quel plaisir d'avoir à faire ton éloge suivant la formule consacrée. À l'occasion de ce doctorat honoris causa. Comme tu le sais, l'université avait décidé de te conférer ce grade, je ne sais pas si on dit grade, distinction, ce diplôme, bien avant ce mardi d'octobre où tu as reçu le fameux coup de téléphone de Stockholm. Et j'avais déjà préparé la présentation de tes mérites. Alors, bien sûr, ton CV va avoir une ligne de plus le 10 décembre prochain. Mais je vais me borner à euh, dire ce que j'avais déjà préparé d'avance. Étudiante à l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses de 1977 à, mille... 1977 à 1981, tu fais un double cursus en maths et en physique, mais tu optes pour l'agrégation de maths. Je me suis demandé si tu avais craint l'épreuve de montage de physique. Pourtant, la suite a montré vu tes talents d'expérimentatrice, que tu aurais parfaitement réussi ce montage de physique. Quoi qu'il en soit, tu vas t'embarquer, après cette agrégation de mathématiques, dans une belle thèse de physique expérimentale au CEA Saclay, membre éminent de l'université Paris-Saclay. Le sujet t'a été donné par ton directeur de thèse, Gérard Mainfray, l'ionisation multiphotonique d'atomes à plusieurs électrons. Alors là, c'est mon mauvais esprit qui va prendre le dessus. Comme la plupart des atomes ont plusieurs électrons, je suppose qu'il fallait comprendre le sujet par les plusieurs électrons agissent ensemble au moment du processus. Plusieurs électrons sont impliqués. Alors pour faire simple, tu tapes fort sur les atomes avec un laser intense et bref. L'atome est ionisé et tu analyses le processus. Et tu montres que la double ionisation... Des gaz rares n'est pas un processus séquentiel, c'est-à-dire un premier électron puis un deuxième électron, mais tu démontres que dans un certain nombre de cas, les deux électrons sont éjectés d'un seul coup. Rêvais-tu déjà d'impulsions laser tellement brèves qu'elles t'auraient permis de confirmer que les deux électrons étaient vraiment émis euh, d'un seul coup Quoi qu'il en soit, cette excellente thèse te vaut un poste permanent au CEA qui te permet de creuser le sujet. C'est en tapant sur des gaz rares avec des impulsions laser de plus en plus brèves dont avec des puissances crêtes de plus en plus élevées que tu vas faire ta première grande découverte en 1988 tu observes que la lumière diffusée tu observes dans la lumière diffusée des harmoniques élevées de la lumière laser autrement dit le gaz rare est capable de stocker un bref instant l'énergie de plusieurs photons du laser et de réémettre tout ça d'un seul coup en un seul photon donc l'énergie avec une énergie beaucoup plus élevée, donc une fréquence multiple de la fréquence du laser, c'est ça les harmoniques. je ne peux pas m'empêcher de faire un petit cours, surtout quand il y a des étudiants. voilà. alors, ce que je voudrais savoir, tu nous le diras peut-être maintenant qu'il y a prescription, est-ce que ça a été un pur coup de chance, ou est-ce que quand même, au fond de toi, tu espérais observer tout, toutes ces harmoniques, parce qu'enfin, euh, c'est quelque chose qui est une surprise pour la plupart des opticiens comme moi à qui on a expliqué que les effets non linéaires décroissent avec l'ordre le, avec le, 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 de non linéarité qu'on regarde dont on s'attend à ce que et toi tu observes un plateau. Alors évidemment, ça va pas à l'infini, mais tu observes un plateau, il y a la, quasiment la même intensité dans les diverses harmoniques. À propos, c'est avec toi que j'ai appris que harmonique était féminin. L'ordre soutenance de Philippe Balcou. J'avais été surpris d'apprendre que harmonique a un sexe féminin. Donc euh, surprise pour les gens comme moi qui avaient des, quelques préjugés à une optique euh, non linéaire et euh, surprise encore plus grande quelques années plus tard quand tu observeras des harmoniques d'ordre 60 peut-être davantage. Et alors là, tu n'es pas la seule auteur de l'article qui relate cette observation puisque tu as l'équipe de Saclay, bien sûr, qui comprend Pascal Salière et Philippe Balcouche. Je ne sais pas s'ils sont, sont là. Il y a également des auteurs suédois de l'université de Lund et notamment un certain C.G. Wallstrom. Vraie collaboration, puisque le laser est celui de Lund, tandis que le spectromètre est celui que tu as construit à Saclay avec tes collaborateurs. Et il semblerait que cette collaboration ne se borne pas à la physique, puisque tu vas aller de plus en plus souvent à Lund. Tu nous as expliqué que tu étais très reconnaissante au CEA qui acceptait ces missions de plus en plus fréquentes. Et finalement, tu vas t'installer en Suède et prendre en 1997 un poste de professeur à l'université Lund, où tu fondes une famille. Et tu n'oublies pas pour autant la France, j'y reviendrai. Mais, comme je l'ai déjà dit, je ne peux pas m'empêcher de continuer à vous infliger un, peu de cours de, un petit cours de physique. C'est tellement. Cool. Bien évidemment, tu ne te contentes pas d'observer un résultat inattendu et manifestement porteur d'application. Tu veux comprendre le mécanisme qui permet l'émission d'harmoniques d'ordre aussi élevé. C'est une collaboration avec des théoriciens, notamment Maciej Levenstein. Qui vient au CEA et qui y aura un poste permanent pendant quelques années. Et euh, c'est avec lui et d'autres que vous élaborez le fameux, ou que vous raffinez le fameux modèle en trois étapes. Alors, étudiants, accrochez-vous. Le champ laser éjecte un électron. Il sort par effet tunnel. Et là, il est libre dans l'espace. Mais comme le champ laser se retourne, hop, il ramène l'électron. Et l'électron revient vers le noyau. Et au moment où il passe au-dessus du noyau, si j'ose dire, euh, il va céder toute son énergie d'un seul coup, d'un seul. Et c'est ça qui émet un photon de haute énergie. Ce sont donc ces photons de grande énergie qui constituent le rayonnement de fréquences élevées, les harmoniques d'ordre élevé que tu as observées. Et c'est sans doute cette image claire qui va inspirer ta nouvelle découverte marquante, l'existence d'une cohérence entre les diverses harmoniques. Parce que même si j'ai invoqué la description, le cours continue, même si j'ai invoqué la description en termes de photons pour dire qu'il y a une grande énergie, on sait bien que la lumière c'est aussi une onde. Ça a une phase. Et cette phase à quoi est-elle liée Elle est liée au fait que c'est l'électron qui revient, vouf, qui passe par-dessus du noyau. Et donc toutes les harmoniques qui sont émises ont une relation de phase entre elles, dont il doit y avoir une cohérence entre elles. S'il y a une cohérence, on va pouvoir faire des impulsions à taux secondes. Donc, euh, ce qu on, on doit pouvoir recombiner tout ça pour faire des impulsions à taux secondes. pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas encore, c'est 10 moins 18 secondes. Alors, il faut reconnaître que les physiciens sont un petit peu quand même limites parce que dès qu'on est en dessous de 10 moins 15 secondes, qui est la seconde, même si on a 900 attoseconde, on dit qu'on est entré dans le domaine de la Mais bon, c'est comme ça. Donc le problème, c'est de savoir si ces diverses harmoniques sont cohérentes entre elles, comme on l'attend, et tu vas t'atteler à le démontrer. Obtenir ce résultat au laboratoire te prendra de longues années, avec des résultats, expérimenta des, des résultats expérimentaux intermédiaires majeurs, montant la pertinence des prédictions qui ont été faites. Mais c'est en 2005 que tu vas, avec tes collègues de Lund, obtenir des impulsions de 160 attosecondes. C'est mieux que notre cher Pierre Agostini, qui travaillait à sa lui aussi à peu près à la même époque, et qui avait observé des impulsions de 250 à 2 secondes. Mais je suis sûr que à ce moment-là, le sentiment qui a primé chez vous deux, ce n'était pas l'esprit de compétition, c'était la joie de voir ces succès issus de la fameuse école Manus Maimprey du CEA Saclay. Plusieurs applications remarquables de l'outil que tu as maintenant en main vont suivre. J'en citerai une seule qui, j'en suis sûr, est chère à ton cœur comme au mien, puisqu'elle fait référence à Einstein. C'est l'étude dans l'effet photoélectrique du délai entre l'arrivée de l'impulsion lumineuse et l'éjection de l'électron. Bon, tu m'as expliqué tout à l'heure à ton séminaire qu'on n'en est pas encore tout à fait là pour pouvoir mesurer exactement ce délai, mais on avance, on avance, et de toute façon, quelle joie de voir que tu t'attaques à ce problème qui fascine tous les physiciens. Allez, assez de physique, il est temps de parler un peu de toi. Je sais que ça va t'embarrasser, mais tant pis, c'est la règle du jeu. Tu es un professeur au sens plein du terme. Certains de tes cours portent sur ton domaine les impulsions lumineuses ultra-brèves, mais d'autres s'adressent aux étudiants des premières années et portent par exemple sur des sujets euh, éloignés des impulsions brèves. Un sujet cher à notre cœur, à l'Institut d'optique, elle fait un cours de conception optique. Quand je vois le schéma de tes expériences, je n'ai aucun doute sur ton immense compétence dans cette ingénierie optique sans laquelle les expériences d'optique les plus avancées ne marcheraient pas. Alors tu es aussi, alors là, peut-être Madame la Présidente, est-ce que je lui dis qu'elle est un mentor, une mentor, une mentoresse Qu'est-ce que je dois dire Bon. Tu es un mentor attentive à tes doctorants. D'abord, Philippe Balcou et Pascal Salière. Ici à Saclay, et puis quelques dizaines à Lund. Et tu as aussi accepté un nombre considérable de tâches d'intérêt collectif, que ce soit en Suède, au niveau international ou en France. Tout cela t'a valu une très grande reconnaissance, et je vais en citer une seule l'incontournable prix Aimé Coton pour les tout jeunes chercheurs français en physique atomique que tu as reçu en 1990. La liste des récipiendaires de ce prix, qui n'est pas un très grand prix, mais qui joue un rôle important. La liste des récipiendaires de ce prix est impressionnante et montre la clairvoyance du jury qui sait deviner les talents futurs. Tu en as fait partie. Parmi les nombreux prix internationaux que tu as reçus, je n'en citerai qu'un qui m'avait énormément impressionné. Ils m'ont tous impressionné. Mais je n'en citerai qu'un, le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes scientifiques, parce que beaucoup d'entre nous se souviennent de ta photo géante dans les aéroports du monde entier. Quelle satisfaction de voir ainsi la science fondamentale mise en valeur. Alors tu es membre bien sûr de plusieurs académies des sciences, celle de Suède, pays où tu es aussi membre de l'Académie des technologies. Il y a aussi, j'ai vu sur ton CV, une mystérieuse société physiocratique. Sa fleur bronze le siècle des lumières. Tu nous diras ce que c'est que cette société physiographique dont tu es un membre éminent. Tu es associé étranger de la National Academy of Science et tu es aussi membre de notre Académie des sciences, ce qui me donne une transition facile pour terminer avec tes relations spéciales avec la France. Quand tu as été élu à notre Académie des sciences, tu m'as dit combien tu avais été touché par le fait que la France ne t'ait pas oublié, mais comment aurions pu t'oublier, comment aurions-nous pu t'oublier tu as laissé un certain nombre d'anciens étudiants qui animent aujourd'hui la communauté française des impulsions de laser ultra brève. tu as saisi toutes les occasions de collaborer avec des groupes français comme on le voit dans la liste des auteurs de beaucoup de tes articles. tu as donné un nombre incalculable de séminaires dans les universités françaises et tu n'as jamais refusé les tâches d'intérêt collectif, tout particulièrement ici, sur le plateau de saclay. Alors, je vais être le seul à dire qu'à mon avis, tu étais membre du Scientific Advisory Board du LabEx Palme, n'est-ce pas Voilà. Alors, tout le monde a dit que tu étais aussi membre du euh, conseil d'administration de l'Institut d'Optique, et crois-moi, nous en sommes particulièrement heureux parce que tu es un vrai membre. Alors, je sais que tu as été heureuse d'apprendre que l'Université Paris-Saclay avait décidé de te conférer ce doctorat honoris causa. Je le redis une fois de plus décision antérieure. Au coup de téléphone du 3 octobre. Nous te sommes infiniment reconnaissants que tu aies réussi à être avec nous aujourd'hui, malgré un agenda dément et le stress lié à la préparation de la fameuse semaine Nobel de début décembre. Et nous sommes tous très heureux, ici à Paris-Saclay, de savoir que tu continueras à t'y sentir chez toi. Merci cher Alain d'avoir non seulement retracé la, la carrière d'Anne, mais de nous en avoir expliqué le contenu. Avec les mots simples, comme tu sais le faire, merci beaucoup. Donc, euh, nous arrivons bientôt à l'apogée de cette cérémonie. Donc, il, est, il est temps de, de passer la parole à la récipiendaire du jour. Donc, Je vous remercie d'accueillir avec moi Annuyé. Sénateur, cher, cher David, Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Essonne, Monsieur le Recteur délégué à l'enseignement supérieur, de la recherche et à la recherche et à l'innovation, Madame la Présidente de l'Université de Paris-Saclay, Monsieur le Recteur de l'Université de Lune, cher à Eric, chers collègues, chers étudiants. C'est un grand honneur et un plaisir de devenir docteur honoris causa de l'Université Paris-Saclay. Je voudrais ajouter que je suis très contente que la décision ait été prise avant l'annonce du prix Nobel. Je vais commencer par remercier Alain Aspect pour un discours très élogieux. Je sais ton intérêt pour cette physique ultra rapide depuis de nombreuses années. Et je suis extrêmement fière d'être juste derrière toi dans la liste des prix Nobel de physique français avec mon ancien collègue Pierre Agostini. Je voudrais raconter quelques moments de ma carrière. L'aide d'organisation de, 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 de Paris-Saclay et peut-être encore plus importante, de personnes de Paris-Saclay ont été déterminantes. Alors pour simplifier je vais rendre l'Université de Paris-Saclay encore plus grande. Je vais inclure un petit peu de banlieue sud, par exemple Fontenay-en-Rose, Sèvres, et même l'école polytechnique. J'ai erré un peu dans ma carrière, voulant faire plusieurs choses à la fois. Et en même temps, ne pas fermer les portes. J'ai eu la chance de rencontrer des, des personnes et des organisations qui m'ont aidée dans, dans cette volonté. La première errance était une hésitation entre mathématiques et physique. Je voulais faire les deux. Le problème était qu'à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, les maths, c'était à Paris 6 et la physique à Orsay. À l'aide des autres écoles normales supérieures, la rue Dume et Sèvres, et, et des universités, eu, on m'a fait un cursus un peu spécial et j'ai eu la possibilité de faire des maths et de la physique à l'université de Paris 6. Après un an à passer l'agrégation de, de mathématiques, mon errance était terminée. Je suis partie vers la physique. Interprétez comme vous voulez. L'expérience a été entre la théorie et l'expérience, à la fin de ma thèse. Ma thèse était expérimentale, avec une petite teinte de théorie vers la fin, en collaboration avec un théoricien suédois, Joran Vendin, qui était en année sabbatique à l'université d'Orsay, à Lure. Et je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, théorie ou expérience le mieux était d'essayer. Donc, j'ai passé d'abord huit mois en Suède, non pas à Lund, mais à Göteborg, avant d'être recrutée au CEA. Puis, six mois euh, en 1988, à l'Université de, de Californie du Sud, faire de la théorie. Et au retour, je savais que je voulais continuer avec l'expérience. Merci, l'École Normale Supérieure et le CEA Saclay, de m'avoir permis d'hésiter et de m'avoir donné ce temps de réfléchir. Mon passé d'étudiante en mathématiques et ma petite expérience en théorie ont d'ailleurs été extrêmement précieux pendant toute ma carrière. Je Gérard Mainfray et Claude Manus, qui ne sont malheureusement plus parmi nous, pour m'avoir accueilli au CEA Saclay. Je suis d'abord rentrée en, en stagiaire, puis euh, doctorante en 1981. J'ai défendu ma thèse en 1986, mais ensuite j'ai obtenu un poste de chercheur très vite, euh, dix mois après la fin de ma thèse. Vers 1990, Gérard Mafray m'a demandé de faire autre chose que la génération d'harmoniques, de passer à une physique à plus haute intensité. J'étais complètement passionnée par les harmoniques, sans que cela soit forcément très justifié sur le plan scientifique. C'était plus une intuition qu'autre chose. Donc, je n'étais absolument pas d'accord avec mon chef. Malgré ce désaccord, il m'a quand même laissé faire sans trop me mettre de bâton dans les hanches. Je lui suis infiniment gré de cette liberté et. Et euh, bon, sans ça, je ne serais pas là ici aujourd'hui. Claude Manus, qui était chef du space, euh, service de physique des atomes et des surfaces pendant ma thèse et quelques années après, a été toujours très encourageant et très présent. Sans Gérard minfray et Claude Manus, je ne serais pas là aujourd'hui. Je voudrais remercier mes deux premiers doctorants, Philippe Balcou et Pascal Salière. Ah, où il est, Pascal Philippe m'est littéralement tombé du ciel à une époque où les harmoniques n'étaient pas en vogue. Je pouvais continuer, oui, mais seul et sans beaucoup de moyens. Philippe m'avait écouté à une conférence de la Société française de physique et voulait faire une thèse avec moi. Pas besoin de trouver de bourse de thèse, il était financé par l'École polytechnique. Quand un groupe de recherche passe d'une personne à deux, tout change. Pascal a commencé sa thèse avec moi. Deux années après Philippe, je suis partie en Suède emmenant en notre spectromètre et Philippe. Dans un mois, Philippe est rentré et Pascal l'a remplacé. Après la Suède... Départ vers l'Ivermore, avec le spectromètre et Pascal. Quand on est revenu, au bout de six mois, d'abord je suis tombée malade, puis je suis repartie par la Suède. Pas facile d'avoir un encadrant comme moi. Merci, non seulement d'avoir réussi à défendre ta thèse avec une directrice de thèse qui avait la bougeotte, mais aussi d'avoir continué à travailler ensemble à de nombreuses occasions pendant de nombreuses années. Et encore maintenant. Merci à Philippe et Pascal pour leur amitié depuis ce temps-là. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Je voudrais remercier Didier Normand. Je ne sais pas où il est là. Oui. Au début de 1994, je vais voir Didier, qui était alors chef du SPAM ou peut-être chef adjoint, je ne me rappelle plus. Et je lui dis. Que je veux aller vivre en Suède retrouver l'homme de ma vie. Sa première réaction a été de dire, là je m'excuse par avance, merde. C'est ma, ma version de ça. Je voulais juste, je voulais justement te dire que j'avais réussi à trouver le financement d'un laser titan saphir pour te permettre de travailler sur la génération d'harmoniques à sa sa deuxième réaction a été de dire comment est-ce qu'on peut t'aider. Non seulement j'ai pu partir en Suède comme je le voulais, mais pendant les 18 mois qui m'ont été nécessaires pour entrer dans le système universitaire suédois, j'ai pu travailler à une distance à une époque où ça n'existait pas. J'étais trois semaines en Suède et une semaine à Saclay. Les Suédois me donnaient un bureau, un peu d'argent de voyage et bien sûr l'accès au laboratoire. Le CEA m'a assuré mon salaire, fantastique. J'en suis infiniment reconnaissante. Les articles publiés pendant ces années, avec double affiliation, sont parmi mes meilleurs articles et ont largement contribué au Prix Nobel. Sans l'aide et la confiance du CEA, en particulier de Didier Normand, pendant cette période, je ne serais pas là. Finalement, j'ai eu un, mode, un poste de maître de conférence en juillet 1995, un poste qui n'était pas permanent, limité à trois ans. Je découvre les plaisirs de l'enseignement et du contact avec les étudiants qui m'avaient vr vraiment manqué à sa En 1997, je deviens professeur avec cette fois-ci un poste permanent. Là, j'ai eu un petit coup, coup de pouce du destin. Juste cette année-là, le gouvernement suédois décide d'ouvrir quelques postes de professeurs pour les femmes. Cette mesure a été ensuite interdite par la Cour de justice européenne, étant jugée trop discriminatoire. J'ai eu la chance d'en profiter juste au bon moment. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de, de, de raconter, parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était un poste moins bien qu'un vrai poste. Mais maintenant, je m'en fiche un petit peu. Et je dois dire, c'est quand même un petit peu grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Je voudrais rendre hommage à Bertrand Carré, qui nous a quittés beaucoup trop rapidement. Il m'a remplacé pour mener l'activité sur la génération d'harmoniques quand je suis partie en Suède. Il était non seulement brillant et très rigoureux, mais il avait des qualités humaines exceptionnelles, m'aidant dans cette transition qui n'a pas été facile. Il a ensuite guidé, à l'aide de Pascal Salière et Thierry, Thierry Ruchon et d'autres, le groupe atophysique de Saclay, rendant possible la construction d'Atolab sur le plateau. Il y a plein d'autres personnes que je voudrais remercier et je vais certainement en oublier. Louis-André Lompré et Michel Ferret, qui est ici, je crois, pour leur expertise en, en optique si précieuse qui nous a permis d'observer les harmoniques d'André élevé pour la première fois en 1987. Sébastien Candel, alors professeur à l'école centrale, qui m'a mis dans les mains un algorithme permettant de simuler la propagation des harmoniques. Michel Bouchard, Angèle Sanchez, Daniel Fondant et tout le support du techniques au CEA pour leurs qualité technique et humaine que je n'ai jamais retrouvée par la suite. Et plein d'autres. Établi en Suède, j'ai tenu à garder les liens avec mes anciens collaborateurs, mes anciens collègues, par exemple tous les collègues rencontrés régulièrement au cours de Claude Cohen-Tannoudji au Collège de France. Et de façon générale, la communauté de physique atomique et optique sur le plateau de Saclay et ailleurs en France. Je pense aux collègues du LULI, du LOA, de l'Institut d'Optique, de l'Université Pierre et Marie Curie. Là, je rends l'Université de Paris-Saclay très, très grande. <laughs> et aussi du CELIA et, et de l'ILM à Lyon. J'ai participé à de nombreux conseils scientifiques, le Triangle de la Physique, le premier, je crois, euh, le PALM, l'Institut Pascal et je fais partie du conseil d'administration de l'Institut d'optique. Il y a un an, j'ai eu l'immense plaisir de devenir membre étranger de l'Académie des sciences. J'ai même été nommé fellow ambassadeur du CNRS. J'ai eu et toujours la visite à Lund de nombreux étudiants de maîtrise, de thèse et des post-docs français. Certains ont ensuite continué leur carrière à l'université de Paris-Saclay, je pense par exemple à, à Rodrigo lopez Martens, je sais que ce n'est pas tout à fait Paris-Saclay, mais presque, et puis Thierry Ruchon. Même une plaisanterie qui circule à l'université de Lune, qu'un critère pour travailler en physique à 14 secondes est de parler français. Mais je vous rassure, c'est juste une plaisanterie les raisons que j'ai invoquées, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui le titre de docteur honoris causa de l'Université Paris-Saclay et je vous remercie d'être là. Merci. Merci, merci, Anne pour ce témoignage magnifique. Je crois que nous savons tous que tu, que tu as été, que tu es toujours un exemple pour un très grand nombre de jeunes chercheuses, de jeunes chercheurs. On espère vraiment que le prix Nobel, bien sûr, mais aussi le lien qui est renforcé aujourd'hui avec l'université Paris-Saclay, permettra, et je pense notamment aux jeunes qui sont là, à beaucoup de jeunes, de profiter. À l'avenir encore de tout ce que tu peux apporter. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au moment euh, pour la remise officielle du titre. Donc, j'invite Estelle Iacona à venir remettre euh, le titre de Docteur Honoris Causa à Anulier. Merci beaucoup. Alors, on, on fait souvent des remises de diplômes ou des événements dans cet amphithéâtre. Euh, moi, c'est la première fois que j'entends des applaudissements aussi, aussi fournis, aussi chaleureux. C'était très, très émouvant. Donc, merci beaucoup à, à, à tous d'être là et, et d'avoir transmis toutes, euh, toutes ces félicitations à Anne à travers vos applaudissements. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, maintenant, c'est un immense plaisir et honneur de vous remettre, chère Anne, le diplôme, le premier diplôme de docteur Honoris Causa. Et donc, la cérémonie arrive bientôt à son terme. Donc, pour la clôturer, je voudrais inviter Monsieur le recteur délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique de l'Île-de-France à me rejoindre. Je vous remercie d'accueillir et d'applaudir Olivier Ginez. Je suis le dernier rempart avant les réjouissances. Alors, je, vais, je, je vais tâcher d'être bref. Alors vous allez quand même avoir droit aux, aux adresses habituelles. Monsieur le sénateur Maire Dorsay, Madame la Présidente de l'Université Paris-Saclay, chère Estelle, Madame la Prix Nobel de physique 2023, chère professeur Anne Villiers, Monsieur le Prix Nobel de physique 2022, cher Alain Aspect, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Monsieur le Recteur de l'Université de Lund, Mesdames et Messieurs les Directeurs, Mesdames et Messieurs les anciens chercheurs, enseignants, chercheurs, Mesdames et Messieurs les élus. Mesdames et Messieurs, en vos nom, grades et qualités, chères étudiantes et chers étudiants, chers amis, c'est un grand honneur et une joie immense pour moi de conclure cette très belle cérémonie de remise du premier titre de docteur honoris causa de l'Université Paris-Saclay à notre prix Nobel de physique 2023, chère Anne Lullier. Non seulement parce que je prends la parole après une éminente présidente d'université et deux prix Nobel, c'est peu dire, mais parce que je mesure l'honneur qui m'est fait à cet instant. En tant que représentant de l'État, de conclure une telle cérémonie en lieu et place d'une ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, prise par ailleurs, qui est très attachée, comme vous le savez, à cette université, on se demande bien pourquoi, mais aussi parce qu'elle aurait mieux compris, sans doute, mieux que moi en tout cas, la totalité de vos travaux de recherche décrits par Alain Aspect. C'est également un immense honneur, car ce titre de docteur Honoris Causa, que l'on vous remet, cher Andullier, Intervient au même moment que l'inauguration de la Cour Marie Curie en Sorbonne, lieu symbolique s'il en est, tant pour vous tous en vos qualités de chercheurs et chercheur que pour moi en qualité de directeur. C'est sans doute de l'intrication quantique, c'est pour ça qu'on est dans le bâtiment H. Ah, H barre. Pardon. Ah. Mais de toute façon, de toute façon, vous relevez les copiques à la fin. H barre. Les deux Alors tout ceci est sans doute de l'intrication, parce qu'au même moment que l'on inaugure la cour dénommée Marie Curie, en hommage à son premier cours, COURS, qui a eu lieu en Sorbonne le 5 novembre 1906, elle, qui fut la première professeure des universités en Sorbonne, première prix Nobel de physique en 1903, aussi, 120 années après vous, chère Anne, avant. Pas possible. C'est la quantique, ça me perturbe. Le problème d'harmonique. Euh... Je vais me resynchroniser. Une Marie Curie qui ouvrait ainsi la voie d'accès au poste élevé de l'enseignement supérieur et de la recherche aux femmes. Une voie que vous avez plus que largement suivie, chère Anne Mullier. Alors je ne sais pas si tout s'explique, mais c'est quand même troublant toutes ces intrications, toutes ces connexions. Sans doute l'effet du mois de novembre. Mais comme l'aurait dit Marie Curie, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Par contre, ce qui me trouble, pour vous dire, au-delà d'être devant, devant vous tous, bien sûr, c'est qu'entre vous et Marie Curie, il n'y aura eu que trois femmes prix Nobel. Comme l'a rappelé tout à l'heure Estelle, prix Nobel de physique. Trois. Et cela, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Alors si je pouvais formuler un vœu devant vous toutes et vous tous, en ce jour qui met la science à l'honneur, il serait simple. Faisons collectivement en sorte que les jeunes filles, que les jeunes femmes aient où retrouvent le goût et le chemin des sciences, car nous en avons besoin. Je dirais plus largement que nous avons besoin que les jeunes en général retrouvent le goût de la science. Mais aujourd'hui, je suis rassuré, car ils sont nombreux dans cet amphi H-Bar. Même si tout n'est pas rose, et l'actualité nous le rappelle, cette actualité si grave, nous avons quand même la chance de vivre en France et d'avoir un système universitaire et de recherche incroyable, riche de ses talents, de son énergie, de ses incroyables innovations, de la recherche de parcours qui le compose, et vous en êtes l'incarnation vivante. La science doit faire rêver, comme elle doit nous redonner goût au progrès et à l'envie de mieux comprendre notre monde, et non pas nos mondes. Elle doit permettre de relever aussi les défis sociétaux et les transitions qui sont là et nous font face. On a besoin de modèles et vous en êtes un, tout comme le professeur Alain Asper en est un. Cher Annulier, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je souhaite que ce vœu que je viens de formuler ne dispose que d'une seule des caractéristiques majeures des lasers atos ou fintos secondes qui ont jalonné vos travaux de recherche jusqu'au prix Nobel. Que ce vœu soit ultra-puissant, mais pas ultra-bref. Vous venez de recevoir ces précieux insignes, ce titre de docteur honoris causa, témoignage de la reconnaissance de l'université Paris-Saclay, mais plus largement de toute la communauté universitaire française. Soyez-en fiers. Je vous remercie. Merci, monsieur le recteur. Vous l'avez compris, la, la cérémonie de ce soir, c'est un petit peu comme un mariage entre Annullier et l'Université Paris-Saclay. Donc, comme dans tout mariage, on sait qu'il y a un moment, il y aura un cocktail, mais il y a toujours quelque chose qu'on annonce avant. Donc, on y est presque. Mais maintenant, je voudrais inviter tous les acteurs de la cérémonie à venir entourer Annullier pour la séance de photos officielle. Merci. Alors, on va, on, après, on va faire une ou plusieurs photos, je ne sais pas, avec euh, les personnes, Anne, que vous avez citées. pas enfin, vous nous dites. Hein. Voulais... C'est eux qui se sont sentis cités, là. Pascal, Didier, euh, mais il y en a plein d'autres. J'ai oublié maintenant. Mais... Alors, euh, bah, venez, venez. Tous les collègues qui ont travaillé avec, euh, avec Anne euh, à un moment donné au CEA ou ailleurs. C'est l'occasion. Il n'y en aura pas, pas beaucoup d'autres. Cette fois, la, la cérémonie est terminée. Je vous remercie d'avoir été présent. Je remercie celles et ceux qui l'ont suivi en ligne. Et je vous invite à rejoindre le cocktail à l'extérieur de l'amphi. Merci. Bonne soirée.